Ici, vous avez également l'influence religieuse de l'Égypte. C'est Osiris, le premier dieu qui trône pour juger les morts. Et il pèse les actions des morts. Et sur la balance, c'est le dieu Mat. Ici, on pèse le cœur, les intentions, les actions. Et si le bien l'emporte sur le mal, eh bien, on est justifié devant Dieu, devant Osiris. Vous savez que cette scène nous rappelle bien des versets même, soit de la Bible, soit du Coran. Et vous voyez en quoi la pensée religieuse africaine a préparé la voie aux religions révélées. Et ces rapports historiques les mettent en évidence. C'est une forme de contribution, justement, à la fraternisation universelle. Ce n'est pas du tout interdit de le faire, au contraire, puisque c'était fait d'histoire. Et là, c'est le dieu Mat, le dieu de la justice, qui veut qu'il ne manque pas un seul brin. La balance, c'est précisément cela. Ils sont en train de peser, et tantôt c'est le dieu Mat qu'on met sur la balance, qui est le dieu de la justice, et le mot signifie équilibré dans une langue comme la mienne, ou tantôt c'est la plume, donc, qui sert à écrire la vérité, et qui symbolise donc la vérité. C'est la plume que l'on met sur une des balances, et sur l'autre, le cœur du défunt. Voyez. Donc cet esprit de justice et de charité qui est typiquement africaine et qui était déjà la partie constituante, n'est-ce pas, de l'idéologie religieuse égyptienne, de la religion d'Osiris, a préparé la voie aux religions révélées. Passez au suivant. Et ici, vous voyez que l'Égyptien avait effectivement inventé la notion de paradis. Vous avez pour la première fois représenté dans l'iconographie religieuse le paradis et le sirat. Sirat al-Mustaqim, c'est-à-dire dans le Coran, ce que nous considérons comme l'accès au paradis. Vous avez donc un serpent hideux qui forme un pont au-dessus de l'enfer. L'enfer est représenté, voilà, l'enfer avec ses flammes. Et le mort, il est là. Il n'est soutenu que par ses actions. Et si le bien l'emporte sur le mal, il pourra affronter ce monstre hideux qui constitue un pont branlant au-dessus de l'enfer, qui est suspendu dans le vide. Cette ligne est une simple ligne de niveau. Le serpent est suspendu dans le vide, au-dessus de l'enfer, et le mort doit passer, justement. Il doit suivre, vous voyez, toutes les... Vous voyez, là, c'est torsadé. Donc, il doit suivre les plis du corps du monstre, qui sont des descentes vertigineuses et des remontées, et ensuite des descentes vertigineuses jusqu'à la fin, et ici la partie solide est coupée, là aussi la partie solide on la retrouve, et entre les deux vous avez ce serpent qui forme un pont hideux, et il faut le traverser pour arriver ici, et quand on arrive là, c'est le paradis. Et ceci, c'est à 78 mètres du sol, dans le tombeau du père de Ramsès II, le tombeau de Séti Ier. La photo est floue parce que j'avais fait braquer tous les projecteurs pour ne pas la louper. Et c'est pour ça qu'elle est floue comme ça. Mais vous pouvez la retrouver si vous allez en Égypte et si vous visitez dans la vallée des rois, le tombeau de Séti Ier, le père de Ramsès II, et nous sommes en 1300 avant Jésus-Christ. Donc 1300 ans avant Jésus-Christ. Et plus de 400 ans avant Moïse, l'Égypte avait déjà inventé la notion de paradis, la notion d'enfer et la notion de récompense dans l'au-delà. Et il faudra attendre le deuxième siècle avant le christianisme pour que le judaïsme ait définitivement opté pour l'existence d'une vie dans l'au-delà. Quand Yahvé parle avec Moïse, il ne parle pas de l'au-delà. Il parle du peuple qu'il a choisi, et ce peuple qui va être vengé sur terre. Tout se passe ici. Et la notion d'une vie de l'au-delà, c'est l'Égypte qui l'a développée et qui l'a transmise aux autres religions. Ça, c'est un apport typiquement africain et africain noir. Passez au suivant. Voilà aussi le fameux arbre qui est au paradis, et où l'on écrit les noms pour l'éternité. Et on y écrit justement les noms des pharaons. Vous voyez, Séti Ier, Thoutmôsis III, etc. On a tout fait. Les autres n'ont fait que copier la philosophie, les trucs, tout. Tout. Et même la religion, le divin. Le divin.
Le divin, c'est même une création africaine, l'immortalité de l'âme. Les Grecs étaient surpris. Ils disaient que les Égyptiens sont les premiers peuples inventés